sports. It's in the game. Salut tout le monde, suite de notre mode carrière dans FIFA 22, on continue la Ligue 1 avec un affrontement contre Lille, le LOS qu'on a déjà affronté dans le match champion contre champion. J'espère qu'on aura un résultat équivalent, c'est-à-dire la victoire. On va suivre bien entendu la performance de Kylian Mbappé. Irrésistible hein, sur les trois derniers matchs disputés, il a marqué 4 fois. La suite du programme dans un court instant sur EA Sports. Bonsoir tout le monde, vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde hein, dans les tribunes. En commentaire, c'est moi, Ave Matou, qui vais vibrer à vos exploits. Et on ne dit pas que c'est Halloween aujourd'hui. Ah ouais, c'est un match monstrueux. Le Paris Saint-Germain affronte le LOSC. On a adressé une passe décisive. C'est l'affiche aujourd'hui. Possession 60%. C'est dommage que vous ne me voyez pas, hein, parce que je porte un magnifique costume de squelette. J'ai fait ma petite sensation en arrivant au stade, en ce jour d'Halloween. Alors, j'ai peut-être jamais eu l'occasion de. J'ai pas fait gaffe à la date, si on est le 30 ou le 31. C'est la première fois que je l'entends dire ça. Marrant. Alors que Messi a marqué son premier but en vrai avec le PSG. Bravo à lui. Dans un match décisif pour la Ligue des Champions. On va essayer de lui faire honneur. Alors, je sais plus combien on avait fait, on avait dû faire un 3-1. Vous avez pas trop mis en danger, j'espère que. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Ça se passera, pour garder le but, Keylor Navas. Marco Verratti sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. La composition du LOSC. On va jouer aujourd'hui en 4-4-2, classique. Allez, c'est Lille qui engage. Le coup d'envoi de la première période, il vient d'être donné ici au Parc des Princes. Il progresse. Renato Sanchez. Ouais. Alors, elle est bien gagnée par le défenseur sur cette action. Achraf Hakimi. Le prodige français, Kylian Mbappé. Ah, la passe en profondeur, ah. Attention. Hors jeu, quel dommage. Hein. Il y avait un très beau coup à jouer avec ce ballon dans le dos. Ah ouais, non. Et l'arbitre de touche a levé son drapeau. Assez logiquement, petit excès d'anticipation dans l'appel de balle. Il faut être plus attentif. Il glisse ce ballon en profondeur. Kylian Mbappé. Attention à Neymar. Ouais, joli. Et l'ouverture du score. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Très belle finition. On voit sur ces images, la passe en profondeur, hein, tout par-delà. Alors qu'il passe au premier poteau. Et le gardien qui est trop statique sur sa ligne, qui ne peut pas intervenir. Ouais, il n'était pas trop sur son premier poteau. Hein. Quatrième but en 9 matchs. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage.
Il continue sa progression. Allez, pour qui ce centre ? Le centre qui est dégagé par Sergio Ramos. Kylian Mbappé. Messi. Hors-jeu. Wijnaldum. Hors-jeu. Avec Neymar. Marco Verratti. Wijnaldum. Le tir. Alors le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Ça a été compliqué de trouver une ouverture. Gardien qui ne se fait pas surprendre cette fois-ci. Léo Messi qui frappe. Olé. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Oh là là, le gardien qui a laissé échapper ce ballon là. Léo Messi. Non. Oh, la fois, c'est une frappe. C'est on ferme les yeux, on tape dans la balle et on prie très fort. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est intéressant cette balle. Qui a été relâché. Et le ballon qui change de camp. Merde. Ah, c'est bien donné ce ballon. Oh oui, très bon geste défensif. Il fallait le faire, il y avait danger. Oula. Burak Yılmaz. Attention à l'éventuelle contre-attaque. Wijnaldum. Il va falloir l'enrayer, hein, cette contre-attaque au plus vite parce que ça va devenir dangereux. Il est hors jeu, non ? Ah, il attendait sans doute la passe plus tôt. Ah ouais. Complètement. Kylian Mbappé. Ouais, non, ce sera finalement hors jeu. Elle est partie trop tôt. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Oh, voilà. Super barré. On la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Bien placé. Bon, pour l'instant, le match est que dans un sens. Hein. Wijnaldum. Sergio Ramos. La même. Oh, magnifique la parade. La même. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Ouais, cette frappe qui est contrée, bien défendue. Et il ne s'est pas laissé surprendre sur ce coup. Yılmaz. Sergio Ramos qui intercepte cette passe. Wijnaldum. Un petit peu d'espace pour Hakimi. Il centre dans la surface.
Ah, le mauvais dégagement là, attention. Ouais, mais c'est qui prend sa chance. Ah, il fallait tenter. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. C'est une séance d'entraînement de tir. Hein. Je ne conclue pas. Alors, on va tenter autre chose. Allez, 2 minutes de temps additionnel, c'était pas beaucoup. Kylian Mbappé. Oh, il y a du monde sur lui. Oui. Bien joué, le gardien, il dégage. La mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant sur ce score de 1-0. Clairement, on domine. On a du mal à la finition, mais... Ils ont eu que très très peu d'occasions. C'est quand même malheureux de ne pas repartir avec une victoire. Le coup d'envoi de la première période, il vient d'être donné ici au Parc des Princes. Kylian Mbappé. Et l'ouverture du score! Le premier but dans cette partie qui commence très bien. Wijnaldum. Le plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade! Super barré, on la voyait tous au fond, mais le gardien était là. Sergio Ramos. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Mais c'est qui prend sa chance. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. La frappe était convaincante. On se tire. On se tire contre un de l'autre côté. Ça veut tout dire. Le coup d'envoi de la seconde période avec donc les joueurs du Paris Saint-Germain qui mènent dans ce match. Verratti. Luke Shaw. Ah, il joue encore avec Verratti. Allez, qui va reprendre ce ballon. Ah, il y va tout seul, il y va tout seul. Hop. L'arrêt de Keller Navas. Je pensais que la passe qu'il allait faire au gardien serait plus appuyée. Hein. Un rendez-vous important avec de l'UEFA Champions League à l'occasion de cette rencontre. Le Paris. Voilà, c'est chaud avec Messi. Ouais. Moi, je suis désolé, mais là. Ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Là, je la sentais bien. Pour qu'elle rentre. J'ai pas poussé ma foulée. Cette frappe fatale, magnifique. Je me suis arrêté une fois que j'étais dans la surface là. Et bam. Déclenché en une fraction de seconde, exécuté à la perfection. J'ai eu un peu peur que le défenseur revienne sur moi, mais Tani est parfait. Et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage. Ils accentuent leur avance. Le ballon contré par le défenseur. Le remplaçant qui se prépare à entrer, mais à la place de qui ? Le numéro 6, Marco Verratti, remplacé par... Allez, il faut centrer vite. Attention, c'est ballon. Mauvais dégagement, mal fait. Merde. Ander Herrera. L'entraîneur qui, visiblement, a demandé du pressing. Ouais, c'était un bel essai. Oh là là, j'ai eu peur. Il fallait le tenter. Quand on a 2 buts de retard, il faut de toute façon
Ouais, ils étaient 3 contre 2. Chose un petit peu audacieuse. Ça passe, c'est à la limite du bus. Hein. Ce problème de cafouillage de relance. Gros défaut. C'est souvent là-dessus que je prends des buts. C'est bien ce qui me semblait, hein, la possession du ballon. Eh bien, du côté de l'équipe locale, l'équipe qui donne l'impression de pouvoir marquer encore, comme elle l'a déjà fait aujourd'hui. Je ne vois pas comment la victoire pourrait leur échapper. Neymar. Oh, et deux. Le but pour le Paris Saint-Germain. Ça pouvait être le but du chaos. Sur une passe de Messi. Ça fait mal, hein. On est qu'à 60 minutes là. But 3-0, toujours pas de réaction en face. N'oubliez pas, hein, tout à l'heure le match très attendu qui devrait nous valoir de belles émotions. On en a de la chance, hein. On va pouvoir assister tous ensemble à cette belle rencontre. Il est contré ce centre. Le centre qui file vers le second poteau. Une belle intervention. Tranquillement, hein, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Idrissa Gueye. Marquinhos. On va calmer le jeu parce que je les sens mordants. Il reste exactement 20 minutes à jouer. On sent qu'ils veulent marquer, donc il faut absolument casser leur engouement. C'est sale, mais... T'es spécialisé dans ça, dans NFL. C'est perdu. Surtout dans la dernière version, j'en ai usé et reusé de jouer la montre. Là, c'est juste histoire de casser leur ascendant. Ilmaz. Espérant que ça marche, parce que là, pour l'instant, il... Oh, il est passé, l'action continue. Il pour se créer au moins une occasion. Il a débordé. Va-t-il parvenir à centrer? Attention, c'est dangereux. Il fallait le récupérer, ouais. Ce ballon. Ah, ils mettent la pression. Idrissa Gueye. Avec Vijayadoum. Messi sur le côté, avec personne devant pour l'arrêter. Attends, mais non, finalement, ça ne donnera rien. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste attention, que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention, ça va être chaud, Sanchez. Pas tellement de solutions. Allez, le ballon en retrait. Il va être sur un centre. Il y a des options dans la surface. On va rester plutôt dans la surface. C'est là que ça va se passer. Renato Sanchez. Si je suis devant, ils pourront pas. On cherche des solutions là. Attention, là, ils sont bien devant le but là. Et ils gagnent quelques mètres. J'ai envie de faire un putain de tac bien joué. Ah et le but qui est tout fait maintenant. Oh putain. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. Bah en fait, la passe que j'ai fait, je pensais que c'était un joueur qui la faisait. Je pensais pas que c'était le gardien. Ah, c'est même plus un cadeau, hein, à ce stade. C'est une invitation à marquer. Et bah, c'est la récupération de mon joueur en fait. Vraiment cruel. Je calcule pas. Je suis sur le bouton pour piquer le ballon à l'adversaire. Et ça fait une passe. Très bien. Et maintenant de 3 buts à 1. J'aurais préféré, s'il marque, il mette. Anticipation sur cette interception. Une belle frappe. Là, c'est vraiment. Une... Benjamin André. Son remplaçant, le numéro 25, Marin
Ilmaz. Non, il est trop loin. Sans problème. Sans problème aucun pour le gardien. Wijnaldum. Ander Herrera. Ouais, les trois coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Ouais, le match était fini après qu'on ait mis 3 buts. Sans laisser beaucoup d'espoir à l'adversaire, c'est de bonne augure pour J'aurais la suite. J'aurais peut-être dû continuer à être offensif. Peut-être pas pris de but. J'ai voulu temporiser. 2 buts de Neymar, 1 but de Messi. On était à 9-2, on est tombé à 8-7. Tir cadré, une passe décisive. On a été chercher nos 3 points, c'est le principal. Wijnaldum. Oh, le plongeon énorme pour écarter le danger, quelle parade! Sergio Ramos. Oh, magnifique la parade! Superbe plongeon, c'était loin d'être évident. Mais Messi qui prend sa chance. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Allez, les replays de la deuxième mi-temps avec ce super but. PSG qui marque et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Neymar. Oh, le but pour le Paris Saint-Germain. Et il gagne quelques mètres. Le but qui est tout fait maintenant. Eh oui, le but. Le gardien qui était parti aux champignons, je ne sais pas. Pauvre gardien, il est pour rien. Ouais, forcément, il le paye dans sa note. Hein, sur une note pareil. Ouais, c'était un 9 qui était demandé. Possession de balle, pareil. Pas bon. Ouais. Alors, petit tour au niveau du classement, même si je pense qu'il n'y aura pas de. Il n'y aura pas de surprise. On est premier, on a 3 points. On est tous à la 12e journée. Donc on peut concéder une défaite sans sourciller. On sera toujours premier, au moins premier égalité. C'est plutôt pas mal. Petit tour sur les nouvelles avant de rattaquer notre match de Champions League. Nos différentes stats. 5 passes décisives sur 12 matchs. 10 buts. C'est pas trop mal. Toujours le titre en vue. Quelques résultats à l'international. Élection du jour du mois. Ah, une nouvelle fois, on est... Je crois que c'était Delors qui avait été élu en septembre. Bon, j'espère. On a un gardien également. J'espère que cette fois-ci le titre va nous être décerné, je l'espère. Alors on a pris la tête de notre groupe en Champions League. La grosse attraction de ce match, c'est le meilleur buteur de cette UEFA Ligue des Champions pour l'instant. On va se retrouver dans un instant pour le coup d'envoi. Alors on avait joué à l'extérieur, cette fois-ci c'est chez nous. Bonsoir tout le monde, vous avez rendez-vous avec le Parc des Princes ce soir. Et je peux vous dire qu'il y a du monde dans les tribunes. C'est moi Hervé Matou qui vais vous commenter ce match. Moi je suis prêt, j'espère que vous aussi. Au programme aujourd'hui de l'UEFA Champions League avec ce match de groupe, le Paris Saint-Germain contre le Rasenball Leipzig. C'est dans ces phases de groupe que se dégagent déjà les favoris, ceux qui feront la course en tête et qui pourront assez vite se projeter sur le reste de la compétition.
Les supporters sont chauds. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Ah, bizarre, on a changé de gardien. Pas l'erreur que j'ai fait. À ses côtés, Sergio Ramos. Marco Verratti sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. On va s'intéresser ensemble au 11 de départ côté visiteur. L'équipe qui va évoluer aujourd'hui en 4-5-1. Une seule pointe. Allez, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Et bien lu la trajectoire par Gareth Bale qui intercepte cette passe. Allez, Bale qui a peut-être un bon coup à jouer sur le côté, qui est libre. Marcel Sabitzer. Mauvais dégagement, mal fait. Non, ça passe largement hors du cadre cette frappe. On va suivre bien sûr Neymar, le Brésilien, comme c'est toujours le cas lorsqu'il joue. On a envie de créer le danger bien sûr. Mais côté putain, parisien. C'est sur Messi qu'il fallait la passer. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Ah, ça c'est bien vu. Ouais, pour Dani Olmo. Tu t'es intervenu dans le centre. Ça Sabitzer. Bale. Allez, l'occasion de passer devant. Mais la pression, hein. Ouais, bien. Donc, c'est là où je suis mauvais sur les relances. Chaque fois, je me foire. Essayer de faire ça bien pour une fois. Hein. Achraf Hakimi. Si j'ai un peu de soutien, ça peut le faire. Paredes. Avec Verratti. Verratti, ah non, la passe est interceptée. Wijnaldum. Oh, il a vu son partenaire, bien joué. Mauvaise relance. Ouais, oh là, sur toute son équipe avec ce tacle. Était bien maladroite. Hein. Belle occasion. Leandro Paredes. Léo Messi. Messi qui centre. Le ballon est perdu. Marco Verratti. Ouais, une belle série de passes là de part. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Et bien un peu d'espace devant lui, bon un peu moins. Frappe est belle. Mais le gardien est dessus. Le corner de Léo Messi, bien frappé. Bien protégé ce ballon. Denis. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Achraf Hakimi. Léo Messi, balle au pied. Kylian Mbappé. Ouais, Messi qui prend sa chance. Et là-bas, elle était belle. Qui continue. Elle était belle cette frappe. Le geste était sublime en plus. Gareth Bale. J'ai pas eu l'impression de martyriser le bouton. André Silva. C'est... Oh ouais. Ah, c'était un petit peu téléphoné là, la passe. Non, c'est très belle, mais mon joueur était aux aguets. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Belle passe en profondeur. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, c'est dégagé ce ballon. Il donne un petit peu d'air à sa défense. Et
public qui montre qu'on peut compter sur lui. Allez, c'est le moment. Donc, allez, occasion pour Neymar. Et le but de Neymar. Ah merde. 1-0. Ah, je sais pas sur quoi j'ai appuyé, ça a coupé le ralenti, c'est ce que je voulais faire. Faut quand même se le revoir, ce... C'est sublime, hein. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. C'est du bien, hein, parce qu'on était fébrile sur leurs attaques. Et plus chanceux dans la finition. Pas centré. Et ouais, le gardien qui sort, ça fait du bien à sa défense. Bernat, Paredes, on a envie de créer le danger bien sûr côté parisien, le tir, oh magnifique, le duel gagné, super réflexe dans les buts. Elle était dehors, elle était dehors. Messi qui prend sa chance. Waouh. La barre et ça continue. C'est un corner qui ne va rien donner. Messi. Wijnaldum. Et le ballon dans les bras du gardien. Et voilà, déjà 45 minutes de jouer dans ce match. Un petit but simplement 1-0. Pas de surprise hein, dans cette première période. C'est l'équipe qui a eu plus le ballon, qui a tenté le plus, qui mène au score. Il a touché deux fois la barre. Hein. Je sais pas si ça fera partie des ralentis. Allez, ce match de groupe de Champions League qui débute à l'instant. Ouais, une belle série de passes là de. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Un public qui montre qu'on peut compter sur lui. Allez, c'est le moment. Donc, allez, occasion pour Neymar. Et le but de Neymar, 1-0. Le tir. Oh, magnifique, le duel gagné. Super réflexe dans les buts. Ouais, non, ils ne nous montreront pas la barre. Alors qu'on peut voir les autres matchs. Beaucoup de 0-0. Chelsea, Cracovie, 1-1. Et Rennes qui pour l'instant est mené. Et les deux entraîneurs procèdent à des changements. Retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de Ligue des Champions. Le numéro 14, Tyler Adams, pour remplacer le numéro 10, Gareth Bale. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. J'aime pas ça. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Ouais, c'est bien défendu, le centre est contré. Paredes. Qui ça passe et qui donne le ballon à l'adversaire. Paredes. Et l'heure du coup d'envoi de ce match qu'on suivra également ensemble. Grand rendez-vous. On en a de la chance, hein. Stade de base, on va ensemble à cette belle rencontre. Marco Verratti. Très bonne anticipation sur ce ballon. Je déteste ces histoires de stats de passe. André Silva. Ça joue à la baballe.
Allez, attention, il se rapproche du bout adverse. Je savais qu'il allait le contrôler en. Il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Je vais sauter dessus comme un mort de faim. Sadio Ramos. Bernat. Paredes. Il met le score, ils font tourner le ballon. Et ça n'a pas l'air de déranger l'adversaire outre mesure. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Leandro Paredes. Westermann. Contre-attaque peut-être. Et dommage, ça n'ira pas plus loin sur ce coup. Marco Verratti. Pour Neymar. Neymar. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. C'est plus au centre que je voulais la mettre, il y avait deux joueurs. Allez, on resserre tout ça avec ce changement. Une tactique un peu attentiste. Le corner qui va arriver en plein milieu de la... Oh là là ! Qui marque. Et ça fait deux buts d'écart maintenant. Deux buts d'écart pour les Parisiens. Tête d'Mbappé. Le gardien qui la freine, mais pas suffisamment. Après, le corner réclame les buts. La reprise de la tête. Qui ne laisse aucune chance. J'ai l'impression qu'il arrête avec son torse. Ouais, c'est son avant-bras qu'il a. Voilà. Il nous a arrêté des bombes et là le pro il se fait sur 2-0. Et les voici donc avec deux buts d'avance, 2-0. Bien protégé ce ballon. Il est bien placé, il peut centrer. Gareth Bale toujours. Il résiste. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Marco Verratti. Putain, ces passes qui sont pas puissants, ça m'agace. Qui est attaqué et qui va devoir défendre maintenant puisque ce ballon est perdu. Le gardien se repousse. Le centre. Oh là là. Ouais, oh, le ballon qui allait passer la ligne. Oui. Marco Verratti. Mbappé. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Lionel Messi qui marque. Le but de Lionel Messi. Oh, les défenseurs adverses qui savent pourtant de quoi il est capable. J'ai hésité à la rebalancer sur Neymar. Oh, ce but. Il y avait un défenseur. Marco Verratti. Le gardien prend comme ça au premier poteau. Là, j'avoue, j'appuie un peu fort sur le bouton. Je fous les pieds de la gauche. On m'a demandé de faire une passe décisive avec ce score de 3-0. Petit coup de chronomètre. 10 minutes. On dit qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Paul. Quand ça fait circuler le ballon très vite comme ça. Son action. C'est pas bon. Christopher Nkunku. Oula. Corner, ça peut donner l'occasion de but. J'ai eu peur quand j'ai vu le gardien pas plonger. Il a été dévié alors. Ah ouais, légèrement. Attention à ce corner. Corner qui ne m'a rien donné.
Encore 6 minutes à jouer dans cette rencontre. Danilo Pereira. Marquinhos. Danilo Pereira. Pedro qui perd ce ballon. Wow, joli. Il bien avant, là, attention. Ils sont nombreux. Ça peut devenir dangereux. Il veut la frapper, on dirait. Gareth Bale. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Et 2 minutes seulement ont été ajoutées par l'arbitre. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Merde. Ouais, le contre-en restera là. Ils ont perdu le ballon. L'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Cette équipe qui s'impose devant son public. Cette équipe a livré un match de qualité, vraiment superbe efficacité devant le but adverse, complètement mérité. Allez, ce match de transformation dans cette seconde mi-temps. Qui débute à l'instant. Ouais, une belle série de passes. Là, il a quand même failli prendre un but. Hein. Magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Le public qui montre qu'on peut compter sur lui. Allez, c'est le moment. Donc, allez, occasion pour Neymar. Et le but de Neymar, 1-0. Le tir. Oh, magnifique. Le duel gagné. Super réflexe dans les buts. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Et il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Le tour. PSG qui marque et ça fait 2 buts d'écart maintenant. 2 buts d'écart pour les Parisiens. Mbappé. Lionel Messi qui marque. Le but de Lionel Messi. Ah, les défenseurs adverses qui savent pourtant de. Christopher Nkunku. Corner, ça peut donner une occasion de but. Messi et Mbappé, les joueurs du match. Et là, finalement, le Stade Rennais est revenu à la marque 2-2 pour nos objectifs. Pas forcément dedans, mais c'est pas cata. Qu'est-ce qu'il raconte sur nous ? Messi, buteur décisif. L'adversaire. On va faire un petit tour au niveau du classement. On conforte notre première place devant Manchester. Troisième et quatrième qui commencent à être loin derrière au niveau des points. Les autres poules, le Barça est devant très nettement avec 10 points. Bruges, on l'avait déjà vu. Ah, Dortmund qui remonte. Ils étaient plutôt en bas de classement. Chelsea et Stade Rennais qui risquent d'être à la première et deuxième place. L'Ajax et Liverpool deuxième, mais le Calcio est pas très loin derrière. FC Porto, OM, attention, Manchester City n'est pas loin. Real de Madrid et Shakhtar, l'Inter à 4 points. Ouais, bon, en tout cas, très clairement, le Real de Madrid restera premier. Et le Bayern de Munich et l'Atlético Madrid, premier dans le groupe A. Il risque de ne pas être attrapé
par le Lokomotiv Moscou. Voilà pour la Champions League. Alors, de retour en Liga, là, hein. Delors élu joueur du mois encore, mais c'est pas possible. Et mais il paye pour être sélectionné à chaque fois. C'est dingue cette affaire. Je sais pas s'il y a moyen de voir ses stats un peu, voir combien de buts il met le vilain. Ah, Argentine, qu'est-ce qu'ils nous mettent ? Annonce son équipe. Ah bah encore une fois, je vais pas être. Je ne suis pas dedans, m'a pas appelé. C'est vilain. Allez, 16ème journée. On va affronter les Girondins de Bordeaux à l'extérieur. Ce sera une nouvelle fois sous la pluie. Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette rencontre. C'est Hervé Matou. Les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble. Les Girondins de Bordeaux affrontent le Paris Saint-Germain. Toujours, on espère avoir un match palpitant. Éviter la défaite. On l'avait vu, hein, on a 3 points d'avance par rapport au deuxième. Forcément, on ne veut pas aller prendre une défaite, mais même si on avait un nul, ce serait pas Qatar. Salut, le 11 de départ des Girondins de Bordeaux. L'équipe va jouer en 4-5-1. Milieu de terrain renforcé donc. Et voici la composition du Paris Saint-Germain. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Abdou Diallo sera en défense. À ses côtés, Sergio Ramos. Ander Herrera sera associé à Wijnaldum au milieu de terrain. Et devant, on va retrouver Kylian Mbappé qui sera en charge d'animer l'attaque. Ce sont les Girondins qui donnent le coup d'envoi du match. Cette passe, oh l'arrêt incroyable, superbe passe, elle était, présence, elle était pour Messi, c'est, mais c'est Mbappé qui a couru comme un fou pour très belle frappe, et le gardien très efficace en un contre un. Ah, bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Ce corner qui échappe à tout le monde, éventuellement un oiseau qui pourrait le reprendre. Il y a eu un combat assez féroce. Hein. Sergio Ramos à interception. Wijnaldum. Ouais, il est bien placé pour centrer. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Wijnaldum. Neymar. Neymar qui centre. La belle occasion, la belle occasion, mais ouais, c'est bien ce qui me semblait. Un hors-jeu avait été signalé au départ de cette action. Ouais, c'est pas violent. Il n'y aurait pas eu but, pas de regret. C'est pas violent. Attention, s'il vous plaît.
Le à toit noir, qui ça peut être? Le défenseur qui enraye cette action. Mustang. Il y aurait eu des bandes, ça aurait été peut-être plus... Alors ça, c'est n'importe quoi, cette passe, complètement à l'adversaire direct. Messi, Messi qui centre. Oh. Un mauvais dégagement là, attention. Benoît Costil, tranquille. Non, mauvaise relance. Léo Messi, Messi. Ouais, bonne intervention, assez autoritaire. Et il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. Il est un petit peu cerné là. Et ce ballon qui est récupéré. Agressif, hein, sur les récupérations de balles là. Messi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Allez, occasion, occasion. Oh là pour là là là. Oh la barre, attention. Oh, c'était quoi cette reprise? Quelle occasion. Qu'est-ce quelle que occasion. C'était que cette reprise? On était tout près du premier but dans cette rencontre. Cette frappe de Neymar. Incompréhensible. J'aurais mieux fait de la temporiser. La... Je pensais vraiment pas qu'il allait me louper ça. T'as Messi qui est déjà bien entamé. Dire que depuis le début de la rencontre, là, on... voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Centre au second poteau. Le dégagement pour éloigner le danger. Ah oui, le bon ballon donné par Léo Messi. Oh là là. On a la belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Il y avait la puissance, hein. Bon, pour l'instant, un match à sens unique, hein, niveau attaque. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, au Messi, attends, oh, ça peut aller oh trop vite. Là, 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 oh non, le manque d'inspiration, le manque de lucidité dans ce duel. Trop de précipitation. Manque de réussite. Hein. Alors, faut dire aussi que le match qu'on a fait en Champions League était dans la même semaine. Hein. Un planning assez assez chargé. C'est tellement un phénomène de. Ah, il y a le danger certainement avec Kylian Mbappé. Oh là là. Off. Comment? Sorti des limites du terrain, ça va être un renvoi en 5m50. Ouais, il y a des bruits qui contact, courent en ce moment hein, à propos de ce joueur. On s'en fout. Il s'agit de rumeurs de transfert. On s'en fiche, on n'est pas à Nice. On va quand même attendre avant de s'emballer parce que ces informations sont quand même à prendre avec beaucoup de pincettes, avec d'être démenties à tout moment. Ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, ça sera un transfert remarqué. Ouais, très bonne anticipation sur ce ballon. C'est donné en profondeur. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Léo Messi. Et qui frappe donne en retrait. Il faut trouver une option disponible. La bonne lecture du jeu ouais, sur les cette joueurs interception. Commencent à être très fatigués. On est qu'à la première mi-temps, ça sent pas bon pour la suite. Wijnaldum. Ouais, une belle série de passes là de la part du Paris Saint-Germain. Wijnaldum. Lionel Messi. Oh. Mais non, cette action ne donnera rien. À l'attention à l'éventuelle contre-attaque. Ce serait malheureux de prendre un but sur. La défense qui n'est pas très en place, hein, me semble-t-il.
Ball. Un peu fatigué là, mon défenseur. Allez, l'occasion peut-être de mener. Oh, quelle détente! Bravo, hein. Oh, il est allé la chercher très loin. Sauf celle-là. Cette mi-temps là. Écoutez les supporters qui se manifestent. Ils ont compris que c'était peut-être l'occasion de prendre l'avantage dans cette partie. Ça serait sale de prendre un but maintenant. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Oh là ! Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match. Toujours pas de but, 0-0. Compliqué, hein. Compliqué. Pas faute d'avoir martyrisé le gardien. Et l'extérieur du but, parce que tout n'est pas rentré dedans. Ce sont les Girondins qui donnent le coup d'envoi du match. Ouais, lumineuse cette passe. Oh, l'arrêt incroyable! Superbe parade, quelle présence! C'est allé à toute vitesse. Allez, occasion pour Neymar. Oh, la barre, attention, c'est pas fini. Quelle occasion. On était tout près du premier but dans cette rencontre. Voilà, la belle frappe, mais qui manquait d'un petit peu de précision. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Allez, au Messi, attention, ça peut aller très vite. Oh non, le manque d'inspiration, le manque de lucidité dans ce duel. Trop de précipitation. Allez, l'occasion peut-être de mener. Alors, les statistiques de tir. 9 d'un côté, 2 de l'autre. Voilà, c'est reparti pour cette seconde période avec le PSG qui donne le coup d'envoi. Wijnaldum pour en derrière. Idrissa Gueye. Neymar. Luc Shaw. Oh là là, pas beaucoup d'énergie le coup. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. En phase de possession, en attendant la faille. Il prend sa chance de loin. Ouais, la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras. Vous voyez comme moi cette rencontre alléchante qui nous attend tout à l'heure. Donc, je sens qu'on va vivre encore un grand moment avec ce match, hein, c'est sûr. C'est un adversaire qui récupère cette passe. C'était plus devant que je visais de faire cette passe. Il essaye de trouver la faille. Bien joué, il avait vu le coup, la Sergio Ramos. Ça c'est très bien défendu. Je sens que notre manque d'énergie va nous empêcher d'avoir autant d'occasions qu'on a eu. Attention, on peut reprendre l'avantage. On ne l'attendait pas. Cette équipe qui n'avait pas été dangereuse et qui marque. C'est complètement contre le cours du jeu. Mais c'est comme ça. L'équipe qui n'avait rien à perdre, et la voilà qui mène au score. Bien dans l'angle, hein. Une fois, le défenseur fait un peu écran. Hein. Le but sous un autre angle. Oh là là. Je suis pas super optimiste quand je vois la forme de mes.
avec les joueurs, changements, ouais, ouais, les ouais, intentions faut... de l'entraîneur sont claires. Hein. Il cherche à égaliser à tout prix. Ouais, et puis il faut faire sentir, faire rentrer du, là, du 109. Hein. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Dagba. Je vous dis, ce prochain match qui vous est annoncé, il fait très envie. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Elle a du mal, hein, l'équipe locale, en ce qui concerne la possession du ballon. On va pas empêcher cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire. Neymar. Ah, bravo Neymar. Parisien qui égalise. Il nous fait du bien, attention, Neymar. Attention au réveil du Paris Saint-Germain dans ce match. Il nous fait beaucoup de bien. On va revoir ce but. D'abord la passe en profondeur, hein, qui a mis la défense aux abois. Et la frappe magnifique à la fin, puissante. Notre réalisateur qui nous montre les deux. Et dans le cadre. Dans le cadre déjà. Bravo Neymar. Il va y avoir un remplacement. Et ils égalisent donc un but partout. C'est bien. Samuel Kalou. Loris Benito. Les Girondins vont essayer de construire une attaque. Bien protéger ce ballon. Ça dure un moment. Intercepte cette passe. Pierre, bien sûr, il ne me donne pas le joueur qui va bien pour. Ce que je déteste là, quand elle me fait ça. C'est le défenseur qui touche le ballon en dernier. Corner, corner donc. Ah, Neymar. Il a mis son but. Le corner en direction du point de pénalty. Oh, le gardien qui repousse. Corner. Ce sera un corner après ce tacle. Pression ne redescend pas. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Et le PSG qui va profiter de cet espace, hein, sur les ailes. La frappe. Ouais, bravo. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. C'est quand même idéalement placé pour marquer. Ça a été étonnant qu'il rate ça. Qui se démarque bien. Hein. Erreur de marquage dans la défense. Encore une fois, le gardien est fusillé à bout portant. Et ben, on revient de loin. On revient Bordeaux de très loin. Les Girondins qui doivent revenir. Pas Messi qui fait le match, le mais qui continue d'y croire, qui donne de la voix, mais plus très loin de la fin du match maintenant. Alors qu'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, la bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Waouh, oui, but. Ah bah voilà. Oh là 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 là. Icardi, ça fait plaisir. Une très bonne saison avec lui l'année dernière. Là, c'est vrai que forcément, il est. On voit le but avec la passe en profondeur. Deuxième partie de match. Profite de sa fraîcheur. Je cours à gauche. Je vais pas chercher à placer. Fusil à droite. Là, c'est vraiment la fraîcheur du joueur qui fait la différence. En plus du talent. Très rare. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage. Il intercepte. Achraf Hakimi. Pour Vignage Doom.
C'est une sorte de passe à 10 en ce moment. Et pour qui ce centre ? Un mauvais dégagement là, attention. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Attention, il y a un boulevard devant au centre là. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. C'est pas fini. On cherche une solution. Samuel Kalou. Oh, le bon ballon. Oh, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé, plus qu'un but d'avance. Alors, je le fais rarement, mais j'ai taclé. Hein. Je sentais que il n'y avait pas grand-chose à faire d'autre. Marqué à la fin du temps additionnel. Ouais, mes défenseurs étaient cramés. Donc, il ne changera pas le résultat final. Ah, j'étais loin. Le score, oui, mais pas le résultat. Ah, j'étais loin. Il est temps que le match s'arrête. Et 3 buts à 2 au score. Quel match. Ouais, les 3 coups de sifflet de l'arbitre, c'est terminé. Et c'est donc une victoire pour le Paris Saint-Germain. Elle aurait été longue à se dessiner cette victoire. Compliqué. Mais les 3 points sont là. Ouais. Et c'est l'essentiel. L'occasion peut-être de mener. Attention, premier peut reprendre l'avantage. Il y a eu 5 buts en seconde mi-temps. Oh, l'ouverture du score, on ne l'attendait pas. On ne l'attendait pas, cette équipe qui n'avait pas été dangereuse et qui marque. Neymar, les Parisiens qui égalisent. Oh, attention au réveil du Paris Saint-Germain dans ce match. Le corner en direction du point de pénalty. Le gardien qui repousse. La frappe. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Oh oui, but. Encore un. Il cherche une solution. Samuel Kalou. Oh, c'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pas terminé. Plus qu'un but d'avance. Oh, ça va être chaud. Alors, regardons un petit peu les statistiques. Alors, on était très nettement devant à la première mi-temps. On voit qu'ils ont bien rattrapé le coup. Hein. C'est assez logique qu'ils aient ouvert le score. Et par contre, nous, on a eu beaucoup, mais alors beaucoup plus de réussite en seconde mi-temps. On n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais on les a mis au fond. Forcément, au niveau de mes résultats, c'est pas ça. C'est pas ça, mais c'est pas grave. Et au niveau des points, bon, on a une journée d'avance. Et forcément, on a été décroché la victoire. Donc, tout de suite, on se sent quand même soulagé. Qu'est-ce qu'on nous annonce ?
Application offensive. Bon, on n'a pas marqué beaucoup de buts hein, dans ce. Dans ce match. Je regarde un petit peu les différentes infos. Sélection nationale. C'est marrant, il y a de moins en moins de joueurs qui sont appelés. Alors, il n'y a peut-être pas toutes les. On voit que c'est que des équipes européennes. Alors, lors du prochain épisode, parce que c'est déjà la fin, on affrontera le FC Nantes et surtout, on continuera la Ligue des Champions avec le match retour contre Manchester United. Bonne fin de journée à vous.